petite boutique. C'est parti. Attention. 800 V-Bucks. Un des skins à 800 V-Bucks. Elle l'avait dit. C'est un des skins à 800 V-Bucks. Ok. Donc, la skin s'appelle Trombe. C'est un des skins à 800 V-Bucks qui reste du coup. Il y a encore un autre qui doit vraiment sortir absolument cette semaine. Donc, skin féminin. On va aller dessus. Hop, hop, hop. Alors, le skin, c'est un 800 V-Bucks. C'est un peu la chauffard en couleur du coup bleu et noir. Parce que la base est un petit peu une ressemblance avec les chauffards. C'est sa cousine, je pense, ou sa soeur, bon, ça va. Je pense que c'est sa jumelle, c'est la même tronche quand même. Hein. Juste la différence, c'est qu'elle est en bleu et noir avec des petits logos et tout. En fait, elle est plutôt stylée en vrai. Encore mieux qu'en photo finalement. En photo, je trouvais qu'elle était pas ouf, mais dans le lobby, elle est pas mal. Les couleurs sont bien. Ça m'a fait un peu brillant et tout. Je sais pas. T'en penses quoi du nouveau skin, la trombe, le skin Misery Buck? T'en penses quoi? T'aimes pas. T'aimes pas? Bah, je sais qu'il y a beaucoup qui vont l'acheter. Il y en a plein qui aiment bien. Là, je suis sur la couleur jaune et tout là, donc plein, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont l'acheter. Moi perso, je trouve que c'est stylé les couleurs, tu vois. Mais jamais j'achèterai le skin parce que je suis même que je jouerai 2-3 fois, mais je vois pas tant que ça. Il est pas moche, mais c'est pas le genre de skin qui me plaît de base. En fait. Donc le skin coûte 800 V-Bucks. Vous avez le retour de la Team Tomate, forcément j'ai déjà le skin là, évidemment, à 1500 V-Bucks avec deux styles différents, deux petits systèmes. Un mob apocalyptique, donc franchement, avec son petit sac à dos, moi j'adore ce skin, ça j'aime beaucoup. Forcément, c'est une tomate, vous comprenez les bases, les potes. Du coup, 800 V-Bucks, 1500 V-Bucks, putain. 800 V-Bucks, je suis fatigué, moi. Mon cerveau, il voudrait qu'il soit 800. Du coup, on est bon, le skin version. Bien sûr, monsieur Burger, le burger, la bombe burger, du coup, pareil, le mode apocalyptique un petit peu. Donc, le premier style, voilà, et le deuxième style en mode luisant. Pareil que monsieur Tomate, vous en connaissez les bails, avec le petit cadeau. Voilà, qui est un petit peu ça. Il ressemble un petit peu au sac que vous savez du skin rapace, je trouve. C'est la différence, vous avez un burger au milieu avec le ketchup tomate, quoi. Enfin, ketchup, oui, bah, vous avez compris. Et la boutarde, quoi. C'est à peu près le même genre, je trouve. La petite pioche, spatule de chasse, qui va avec monsieur Burger, je crois, si je ne me trompe pas. Puis sur les bucks, vous avez également la petite pioche roulette rouillée qui va avec monsieur Tomate. Team Tomate, les gars, les popotes. Du coup, on est bon là-dessus. Le petit retour du coup, les deux skins qui sortis récemment à 1500 V-Bucks. Vous avez deux styles différents. Le skin numéro 1, où vous avez deux défis. Des défis en mode créatif, qui d'ailleurs très simple. Vous faites ça avec un pote, en vrai, c'est très rapide. Moi, je l'ai fait avec très rapidement. En vrai, c'est vraiment bien. Voilà. Le petit skin numéro 1, Fryer. Du coup, moi, je l'ai pas encore joué avec celui-ci. Faut que je joue un petit peu pour pouvoir commencer en game. J'ai vu beaucoup de joueurs la jouer avec et il a l'air pas mal en vrai. Beaucoup mieux que je pensais en vrai. Et le deuxième style que j'ai beaucoup joué avec lui, Harder du coup. Et j'ai les deux styles du coup que j'ai fait le défi. Et également le petit cadeau avec deux styles différents également. Non, t'as pas assez de bugs, c'est dommage. En vrai, il te manque la moitié en fait, quasiment. Bien sûr. Ouais. T'as pas de chance, Léa. En plus, je pense qu'en plus, c'est un pack spécial donc c'est un pack un peu. Avec un partenariat qui Bigam ont fait, donc c'est à dire que peut-être que s'ils mettent là, c'est la dernière fois qu'on verra en boutique. Je crois pas qu'on le reverra tout le temps en boutique ce skins là. Donc c'est peut-être la dernière fois que tu le verras en boutique pendant un bon moment. Je crois pas qu'ils vont le remettre tout de suite. Tant pis. Ouais. En vrai, ils sont beaux. Hein. Moi, je suis pas déçu de l'avoir acheté. Perso. Les petites pioches qui vont avec pour ceux qui vont acheter les pioches. À 800 V-Bucks. Bon, je les ai pas pris parce qu'en vrai, pas tout acheter les gars. Mais voilà, pour ceux qui les voulaient. Et que c'était peut-être pas pour la première fois. Les petits hyper lab du coup. À 800. La peau sexy. Cette danse là. En vrai, franchement, la peau sexy à date un petit peu. Ça doit faire un an plus. Je pense que c'est même plus que ça. Plus. Qu'elle est sortie. Et en vrai, Epic Games auront dû mettre à 200 V-Bucks cette danse là. Je pense pas que à vos 500. Pour ma part. Mais voilà, c'était avant. Donc peut-être qu'à l'époque c'était différent. Les prix différents. Les trucs. Le petit revêtement. Il est nouveau celui-là par contre. Je connais pas celui-ci. Le vêtement du coup, un peu abeille du coup. Ruche stylée. Pour 200 V-Bucks, il est pas mal je trouve. De 300 V-Bucks, je sais pas comment. Pour 300 V-Bucks, en vrai, les potes, il est pas mal. Hein. Je trouve que les couleurs sont sympathiques. Oh, sur le sniper, il fait beau. Oh, ça fait beau sur le sniper. Ah non, ça fait beau. Ah ouais. Même sur l'entre-quatre, ça fait stylé. Oh, sur le snowboard, ça fait stylé. J'ai presque envie de l'acheter. J'ai presque envie de l'acheter le vêtement. En vrai, le vêtement, il est pas animé, les gars. Mais il est beau, en fait.
Ah, je sais pas si je la prends. Et bon, ouais, c'est pas bon. Je vais réfléchir. Je verrai à la fin de la vidéo si je la prends. La petite danse, du coup, flow circulaire. Moi, j'ai acheté l'autre, celle de l'avant. Il y avait l'événement du coup du méca et le robot, mais il y a également le monstre là. Ah, celle-là, elle est bien aussi, j'avoue qu'elle est pas mal. Pour 500 V-Bucks. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté les deux danses. Ah, ça, c'est la team pigeon, les gars. Du coup, la petite pioche qui va du coup avec le skin, qui va du coup un peu parce que du coup c'est le même ensemble. Le fameux petit. En fait, la vraie, la pioche, c'est un volant avec des ailes, mais c'est plutôt stylé en vrai. J'ai jamais acheté, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas avec quel skin mettre en fait la pioche là. Même si elle a un petit flow, je trouve. C'est un volant quoi, une pioche, un volant. Dernier tour, elle s'appelle. Du coup, il a le petit retour du skin fugitif de la saison 4. L'un des plus beaux skins, je pense, qui est sorti à cette période. Du moins, je l'aime beaucoup personnellement. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec elle. J'ai pas envie de la remettre là parce que du coup, j'ai pas envie de jouer avec. Du coup, fugitif. Voilà. Il a également son garçon. Je pense qu'ils vont remettre peut-être cette semaine la version garçon, je sais pas. Mais il sent beaucoup plus la fille que le garçon, j'ai remarqué. Donc peut-être qu'il y a plus de gens qui ont acheté la fille, je sais pas trop. Si c'est pour ça qu'ils mettent plus la fille que le gars. Du coup, voilà. On est tout pour la petite boutique, les gars. Moi perso, est-ce que je prends le revêtement ou pas? Il est beau, même avec un sniper. Bah ouais, c'est ça le truc. Et sur le snowboard, il est pas mal aussi, quoi. Ouais, vas-y, les gars, les potes. Bon, en vrai, je vais le prendre parce que j'en prends pas tellement des revêtements, mais celui-ci, les couleurs, marque, il est pas animé, puis il coûte pas très cher, 300 V-Bucks, ça va. Pour un revêtement, regardez, sur toutes les armes, il fait bien. Sur toutes les armes. Il y a, je sais pas si c'est les couleurs dorées, un petit peu, avec un peu bronze, marron, je sais pas trop. Je sais si c'est bronze ou marron, mais un peu les deux, je crois, mélanger un peu. En vrai, ça fait scier sur toutes les armes. Ouais, vas-y, je vais le prendre. Vas-y. Allez, hop. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de revêtements. Je crois le dernier revêtement. Je sais même plus c'est lequel le dernier revêtement. Donc ça date de ouf. Donc sur lequel je vais mettre. Sur le sniper. Le plus cool. Parce que la base, là, il l'a mis sur le snowboard. Donc je vais mettre sur le sniper en fait. Alors, je vais mettre du coup. Hop, appliqué. Hop là. Ok. On va mettre en favori. En vrai, je mets toujours en favori, mais. Les trucs. Hein. Hop, par habitude. En vrai. Du coup, je regarde deux secondes là, les petits potes. Est-ce que le revêtement. Parce que du coup, il l'a mis sur le snowboard aussi. Le snowboard, je vais mettre un autre truc parce qu'après, ça va être tout le temps la même. Je mets ça sur le snowboard. Voilà, j'aime bien avoir chaque couleur différente. Voilà. On est bon, les gars. Du coup, les potos, je vous laisse. Je vous dis du coup à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et j'espère qu'enfin demain, et puis hier, on met les défis Team Deport que j'attends parce que je croyais que c'était demain. Donc aujourd'hui, officiellement. Je pensais qu'il allait mettre mardi, mais toujours pas. Ni mercredi, ni jeudi, s'ils mettent pas. Ouh là là, il y aura là. Comme on dit, râla. Non, mais c'est vrai, ils prennent du retard. Je sais pas ce qu'ils font. Donc j'espère qu'au moins ils vont les mettre parce que ça soit. Franchement, ils ont rajouté des jours. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fini leur défi, profitez de les faire. Et attendez pas dans plusieurs jours. Hein, parce que pour ceux qui n'ont pas fini leur défi, ou tous les défis de semaine, ou qui sont en retard, ou je ne sais quoi, faites-les ce week-end. Rattrapez-vous. C'est le moment. Et du coup, les défis également de zone, de regard de zone, si vous n'avez pas fini vos défis également, même si c'est en mode trial par des gens qui jouent à ce mode-là, bah faites-les aussi si vous voulez vraiment avoir la récompense. C'est gratuit. En plus, la récompense pour les faire. Hein, il ne faut pas non plus. En vrai, ils font toujours des défis avec des récompenses, soit des revêtements, des sacs, des machins. Tout ce qui est pour apprendre gratuit, je le prends personnellement. Alors, je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Quand c'est gratuit, on a envie d'encore plus de jouer parce qu'on veut avoir les trucs gratuits. Même si c'est pas les trucs qu'on va forcément utiliser tout le temps. Mais c'est gratuit, j'ai envie de vous dire. Du coup, faites-les, les gars. En vrai, c'est les défis de zone, je crois, c'est encore 4 jours. Normalement, c'est déjà ce week-end. Donc, on est jeudi, donc c'est juste à dimanche. Juste à dimanche, les défis garde zone sont disponibles. Donc, profitez-les de les faire. Moi, perso, je suis tranquille, j'ai pas rien à faire. Vous pouvez voir, je te finis. Enfin, on a d'habitude. Et pendant 10 jours, il y avait encore 10 jours pour finir les défis. Empreinte météorite, le dernier là-bas. Vous voyez, c'est marqué 10 jours, 17h. Dans 10 jours et 17h, c'est fini. C'est-à-dire, à coup, c'est fini. Vous avez 10 jours, en gros, pour faire vos défis paliers, vos trucs. Je dépend si vous êtes vraiment en retard ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas jouer tout le temps. Du coup, c'est peut-être un peu en retard, mais vous avez encore 10 jours. Moins de
Voilà, t'as qu'à dire, vous avez une semaine entière pour faire tout. Voilà, essayez pas de trop traîner. Donc voilà. Bref, moi je vous laisse, je vous dis du coup à ce soir pour la boutique habituelle forcément. Et allez voir ma nouvelle vidéo que j'ai postée, le numéro 3 du jeu, du coup, Metro 3. Metro 3, parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été voir les vidéos ce week-end, du coup je lui dis, vu que j'avais dit que s'il y a plus de 30 vues, de 20 à 30 vues sur mes vidéos que ce week-end, et ben il y aura un veto le mercredi, donc comme là, j'en ai mis également. J'ai vu qu'il y avait encore des gens qui auraient voir. Donc allez voir si vous n'avez pas vu encore la vidéo. Et puis si ça vous plaît, je vais faire d'autres jeux qui arriveront dans la semaine. Il y a encore 10 jours que je peux faire des vidéos sur d'autres jeux. Après, je suis en mode tryhard, les gars. Dès qu'on arrive à la saison 11, je fais que du Fortnite. On est d'accord pendant un mois. Je non-stop la game. J'enchaîne les games jusqu'à level 100, comme toutes les saisons. Pour ceux qui me connaissent depuis le début ou qui me suivent, je fais ça toutes les saisons, de toute façon. Il n'y a pas à dire, je ne ferai rien d'autre que ça. Donc pendant un mois, vous verrez que du Fortnite sur ma chaîne. Bon, il y aura quelques fois des vidéos. Il ne dort pas. Oui, enfin, je dors pas, si, un peu quand même. Il faut quand même dormir parce que sinon le cerveau il vous énerverait contre n'importe quoi. Donc vous énerverez même contre une construction qui se mettrait pas en place. Je pense que tout le monde s'énerve au moins une fois pour ça. Non, en vrai, mais il y aura quand même quelques fois des jeux sur ma chaîne. Hein. Oh, que Fortnite. Mais ils seront préparés à l'avance. Il y a cette semaine, il y a 10 jours avant la fin de la saison. Donc je vais préparer des vidéos à l'avance d'autres jeux. Ça veut dire quand le jeu arrivera, quand le week-end par exemple, il y aura des jeux, particulièrement, bah, les gameplays seront tournés à l'avance, préparés à l'avance. Donc ça veut dire que tous les jeux que vous allez voir, qui sera hors de Fortnite, c'est les jeux que j'ai déjà préparé depuis tout, moi, 2 semaines, vous voyez ce que je veux dire. Je vais faire plein de gameplays différents, et je publierai à des jours particuliers. Le lundi, c'est bien sûr Mutant, le jeu que j'ai mis lundi. Tous les lundis, ce sera ce jeu-là. Le week-end, ce sera le jeu, du coup, Metro 2033. Et peut-être qu'il y aura une vidéo jeudi. Mais c'est beaucoup Fortnite en général, jeudi, parce que c'est le jour des défis. Faut connaître les bails, donc peut-être qu'il n'aura pas jeudi. Bon, je sais pas si ça va être jeudi ou mercredi, ça dépend. Parce que si Metro a beaucoup de vues, je vous ai dit que je mettrai mercredi un épisode spécial, mais on verra bien. Parce que peut-être qu'il y aura d'autres jeux comme Batman ou Time Rider ou d'autres jeux. Il y en a tellement de jeux que je peux faire que je serai pas qu'à choisir. J'en ai beaucoup trop de choix, mais on verra. Pour l'instant, déjà le lundi et le week-end, il y a des jeux, et après mercredi, peut-être qu'il y aura un autre jeu. Et bien sûr, le reste de la semaine, c'est que Fortnite, vous avez compris. Hein. Bref. À du coup, à ce soir, à demain, ou à d'autres jours de la semaine, parce que je sais que beaucoup d'entre vous accourent au travail la semaine. Donc sinon, bah bon week-end, si vous êtes au week-end, vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Ah, pourtant, la petite cloche, pour avoir toutes les notifications, parce qu'en vrai, si vous mettez pas la cloche, vous pouvez pas savoir quand je publie un truc, parce que je publie vraiment beaucoup souvent, au moins une fois par jour, je mets une vidéo sur ma chaîne. La boutique, il y a tous les jours, donc là, vous savez, et puis il y a d'autres trucs, je publie dans la journée, ça peut. Tout dépend de ce qui se passe sur Fortnite ou sur d'autres jeux. Il y a toujours un truc qui peut être oublié. On ne sait jamais. Bref, allez, à ce soir. Ciao.